à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que vous nous aviez beaucoup demandé puisqu'il s'agit d'une journée dans ma peau en tant que monitrice d'équitation. En ce moment, on est en plein mois de juillet, donc c'est les stages d'été. Donc vous allez me suivre dans mes folles journées où il faut que je cumule le travail, le fait d'aller au sport, le fait de monter mon cheval, etc. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. On vous emmène avec nous, alors c'est parti! Là, l'objectif, c'est de monter mon cheval avant même de commencer le travail. Donc, le programme, c'est je vais monter des obstacles dans la carrière puisque ce matin, notre programme, c'est de sauter un petit peu. Je vais allumer les asperceurs pour que les carrières soient arrosées. Ensuite, je vais nourrir Hollandais. Il a la moitié de sa ration de façon à ne pas travailler le ventre vide. Le temps qu'il digère, je vais l'arnacher et me préparer. Et ensuite, c'est parti, Mathilde, Pénélope, le prévôt, et on va sauter des obstacles en carrière. Vous nous suivez? On y va! La semaine dernière, je les avais fait à main droite, donc cette fois-ci, ben, on a fait le même exercice, mais à main gauche, avec verticale, une foulée, et petit oxer. Et puis le cheval était assez punchy, mais plutôt à l'écoute, donc ça va, c'était cool. Bon, du coup, petit point sur la séance. Le cheval a été plutôt très top. Je l'ai fait travailler sur une petite ligne, comme vous avez vu. Donc, quand le cheval est bien de bon matin, ben, moi, ça me met de bonne humeur pour toute la journée. Vraiment, genre, ça joue sur mon humeur de toute la journée. Donc là, c'était le cas. Il me reste plus qu'à le dépréparer, le doucher, lui donner la fin de sa nourriture, faire son paddock, faire son box, lui remplir son seau d'eau. Enfin, bon, bref, on a encore 2-3 petits trucs à faire en une demi-heure, le temps de commencer le travail. Allez, go, go, go! On a fini avec le paddock, maintenant je m'attaque au box, rien que de faire ça les gars, on a fait son sport de la journée, je vous le dis pas. En même temps je mets l'eau à remplir, donc mon cheval il a un abreuvoir automatique mais je lui mets en plus un seau d'eau comme ça de façon à ce qu'il boive un peu plus. Enfin voilà, Hollandais pour y gâter, on continue. Dans l'idée là je vais juste remonter le box, donc c'est à dire je prends les côtés, je le remets en carré, donc je rabats les côtés au milieu, mais on vous fera un jour une vidéo sur comment retaper un box.
Allez, ça y est, il est 9h, moins 2 exactement, donc il est temps d'aller rejoindre les stagiaires qui attendent impatiemment de commencer leur petite journée de stage. Cette semaine, j'accueille des bons niveaux, elles ont galop 4, presque galop 5 pour certaines, donc ça, c'est plutôt cool. Là, mon cheval, c'est fait, donc c'est vraiment un gros point en moins, je le valide dans ma checklist, et il me reste plus que tout le reste à faire, mais vraiment, le fait de savoir qu'il est sorti, ça me détend. Bon, du coup, commence maintenant le moment casse-tête pour un moniteur, puisqu'il s'agit du montoir. Le montoir, c'est le moment où on va attribuer quel cavalier va monter quel cheval. Ça se fait en avance, tout simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas un cheval qui fasse 6 heures pendant qu'il y en a un autre qui se la coule douce, tranquille dans son paddock. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que les chevaux fassent maximum 2 heures dans la journée et pas de la même discipline. On va essayer de ne pas les sauter deux fois dans la même journée. Donc là, mon cerveau va un peu fumer et c'est pour ça que j'ai besoin de bon café pour m'accompagner dans cette épreuve. Alors, c'est parti. Et ça y est, chacune des cavalières a son cheval attribué. Elles ont fini de les préparer, donc on va descendre en carrière pour la première séance de la journée. Loulou, c'est un gros flemmard, il va te tester un petit peu. Au début, il se la joue comme ça. Et lui, il a l'habitude d'avoir des fois des cavaliers confirmés, des fois des cavaliers débutants. Donc en gros, au début, il te jauge. Il fait un petit peu, bon alors, j'ai confirmé ou débutant sur le dos. Si tu le laisses faire, il se dit, ma bonne affaire, c'est un débutant, je vais faire ce que je veux. Si tu es direct avec lui, là, il va se mettre au boulot. Donc dès le début, tu lui dis, oh mon pote, moi, je suis pas venu pour rigoler. Vous vous rappelez de ce dont on a parlé hier ? L'impulsion, la poussée postérieure, tout ça, ça fonctionne encore dans votre détente d'obstacle. Bon là, les poulettes, elles sont en train de faire leur détente de la première séance de la journée, donc ça va être une petite séance d'obstacle. Cet après-midi, elles feront dressage. Il est très exactement 10h, donc il est l'heure pour moi de prendre ma première collation composée, exactement comme un cheval de pomme uniquement. Et mon plateau, Lulu. Variez l'amplitude dans l'allure. Une transition dans l'allure, je passe d'un petit trot de travail à un trot moyen, puis je reviens à un trot de travail sans pour autant perdre l'impulsion et la poussée postérieure. Si t'as besoin de tirer sur ta main gauche pour écarter le cerf, c'est qu'elle répond pas assez à ta jambe droite. Ceci étant dit, je connais la bestiole, je sais qu'elle y est collée, donc n'hésite pas à faire petite leçon de jambe, elle est pas mal du tout là, tiens. Une petite leçon de jambe dans ta jambe droite quand elle veut pas se décaler si tu la mets. Thank you.
Et ça y est, je viens de terminer le premier cours de la journée, donc c'était le cours d'obstacle avec les stages. Pendant que les filles font dépréparer leurs chevaux, les doucher, les ramener au paddock, moi je vais préparer le cours de théorie. Et après, on se cale et on planche sur un petit peu de théorie pour finir la matinée. Et ça y est, la théorie c'est fini pour ce matin. On a parlé un petit peu des morts et de leurs différentes actions. Je laisse les stagiaires aller manger tranquille et moi pendant ce temps commence une course contre la montre puisque là je file direction la salle de sport. Je vais faire une petite séance de muscu. Normalement j'en fais entre 5 et 6 par semaine. Après ça je reviens et je pourrai enfin manger. Mais d'abord il va falloir transpirer un petit peu. Bon, comme tout le monde dit, c'est un peu la course contre la montre dans les vestiaires de Basic Fit puisque je passe de Mathilde Cavalière à Mathilde Fitness Girl. Donc en deux, je change d'habit, c'est la révolution, je fais ma séance tranquille et après ben, c'est reparti à la fin de la séance, je redeviens cavalière. Mais bon bref, si je fais pas ça, j'ai pas le temps de m'entraîner et ça c'est inenvisageable. Donc voilà, on se bouge un peu et on arrive à tout caler dans une seule journée. Je commence toujours toutes mes séances par du gainage, donc 9 minutes de gainage tous les jours parce que c'est extrêmement important pour l'équitation d'avoir une ceinture abdominale un petit peu sympa et un dos un peu gainé. Mais du coup, regardez, ça fait genre 10 minutes que j'ai commencé le sport, je suis déjà dégoulinante, je vous dis même pas comment ça va finir la séance. Et ça y est, entraînement validé pour ce midi. Je vais donc pouvoir quitter la tenue de fitness girl, remettre la tenue de monitrice d'équitation. Et c'est la même course contre la montre tous les midis. Je m'habille, je me rhabille. Mais bon, bref, c'est la seule solution que j'ai pour venir à la salle. Donc, on fait avec. Je vous retrouve maintenant qu'on est rentré de la salle, que je suis à nouveau revêtue de ma tenue de monitrice d'équitation. On a mangé et mon Dieu que ça fait du bien après toutes ces heures passées à faire autre chose et à se dépenser. L'idée, ça va être de couper cette vidéo à partir de maintenant et de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ma journée. Tout simplement parce que nos journées sont tellement remplies et énormes que tout faire dans une seule et même vidéo, ça aurait fait soit un contenu trop condensé, soit une vidéo bien trop longue. Donc, mes petits, je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Dedans, on va voir la deuxième moitié des stages, les cours du soir, tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 16h30 sur YouTube. Et vous savez que c'est rare sur ma chaîne que deux vidéos sortent en deux semaines. En attendant, je vous laisse liker cette vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis... à très bientôt! Je règne sur mes sujets. Ploum ploum, ce sera à juste ou à faux. Et le vent, regarde, 1, 2. Allez, vas-y, repars à juste. Petit bémol, parce que je suis jamais contente. Au lieu de partir au galop et aller sur ton obstacle, fais un cerf. Je vais vraiment parler de mon âge mental. Allez, plus. Ça fait la muscu. Plus vite, Lulu. À fond, Lulu.